Le livre des Nombres, chapitre 33. Voici les étapes que parcoururent les Israélites lorsqu'ils sortirent d'Égypte par corps d'armée sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse mit par écrit leur parcours étape par étape d'après l'ordre de l'Éternel. Voici les étapes de leur parcours. Ils partirent de Ramsès le premier mois, le 15e jour du premier mois. Le lendemain de la Pâque, les Israélites sortirent ouvertement à la vue de tous les Égyptiens, tandis que les Égyptiens enterraient ceux que l'Éternel avait tués parmi eux, tous les premiers-nés. L'Éternel avait aussi exercé des jugements contre leur Dieu. Les Israélites partirent de Ramsès et campèrent à Sukkot. Ils partirent de Sukkot et campèrent à Etham, qui est situé à l'extrémité du désert. Ils partirent de Tham, revinrent vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon, et campèrent devant Migdol. Ils partirent de devant Pi-Hahiroth et traversèrent la mer pour prendre la direction du désert. Ils firent 3 journées de marche dans le désert de Tham et campèrent à Mara. Ils partirent de Mara et arrivèrent à Elim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ce fut là qu'ils campèrent. Ils partirent de Lim et campèrent près de la mer des roseaux. Ils partirent de la mer des roseaux et campèrent dans le désert de Sin. Ils partirent du désert de Sin et campèrent à Dophka. Ils partirent de Dophka et campèrent à Alush. Ils partirent d'Alush et campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Ils partirent de Rephidim et campèrent dans le désert du Sinaï. Ils partirent du désert du Sinaï et campèrent à Kibroth-Hataava. Ils partirent de Kibroth-Hataava et campèrent à Hatséroth. Ils partirent de Hatséroth et campèrent à Rithma. Ils partirent de Rithma et campèrent à Rimmon-Pérets. Ils partirent de Rimmon-Pérets et campèrent à Libna. Ils partirent de Libna et campèrent à Rissa. Ils partirent de Rissa et campèrent à Kehelata. Ils partirent de Kehelata et campèrent à la montagne de Shapher. Ils partirent de la montagne de Shapher et campèrent à Harada. Ils partirent de Harada et campèrent à Makhélot. Ils partirent de Makhélot et campèrent à Tahat. Ils partirent de Tahat et campèrent à Tarash. Ils partirent de Tarash et campèrent à Mitka. Ils partirent de Mitka et campèrent à Hashmona. Ils partirent de Hashmona et campèrent à Moseroth. Ils partirent de Moseroth et campèrent à Bené-Jaakan. Ils partirent de Bené-Jaakan et campèrent à Hor-Gidgad. Ils partirent de Hor-Gidgad et campèrent à Jotbatha. Ils partirent de Jotbatha et campèrent à Abrona. Ils partirent d'Abrona et campèrent à Et-Jon-Guéber. Ils partirent d'Et-Jon-Guéber et campèrent dans le désert de Tin, c'est-à-dire à Kadès. Ils partirent de Kadès et campèrent au mont Hor, à l'extrémité du pays d'Édom. Le prêtre Aaron monta sur le mont Hor, suivant l'ordre de l'Éternel, et il y mourut. C'était la 40e année après que les Israélites étaient sortis d'Égypte, le premier jour du 5e mois. Aaron était âgé de 123 ans lorsqu'il mourut sur le mont Hor. Le roi d'Arad, un Cananéen qui habitait le sud du pays de Canaan, apprit l'arrivée des Israélites. Ils partirent du mont Hor et campèrent à Talmona. Ils partirent de Talmona et campèrent à Punon. Ils partirent de Punon et campèrent à Oboth. Ils partirent d'Oboth et campèrent à Ijé-Abarim, sur la frontière de Moab. Ils partirent d'Ijé-Abarim et campèrent à Dibon-Gad. Ils partirent de Dibon-Gad et campèrent à Almon-Diblataïm. Ils partirent d'Almon-Diblataïm et campèrent sur les montagnes d'Abarim devant Nebo. Ils partirent des montagnes d'Abarim et campèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ils campèrent près du Jourdain, depuis Beth-Jeshimoth jusqu'à Abel-Sittim, dans les plaines de Moab. L'Éternel dit à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Transmets ces instructions aux Israélites.
Lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entré dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs idoles en pierre et en métal fondu, et vous éliminerez tous leurs hauts lieux. Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez, car je vous ai donné ce pays pour qu'il soit votre propriété. Vous partagerez le pays en tirant au sort en fonction de vos clans. À ceux qui sont plus nombreux, vous donnerez une portion plus grande, et à ceux qui sont moins nombreux, vous donnerez une portion plus petite. Chacun possédera ce qui lui sera attribué par tirage au sort. Vous le recevrez en propriété selon les tribus de vos ancêtres. Mais si vous ne chassez pas les habitants du pays devant vous, ceux d'entre eux que vous aurez laissés deviendront des épines dans vos yeux et des pointes dans vos côtes. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Alors, je vous traiterai comme j'avais décidé de les traiter, eux.